Voilà la deuxième séance du séminaire. Il y en a encore une autre en décembre, je ne sais pas, dans 15 jours. Le 5. Et après, il y a une longue interruption du fait des fêtes, tout ça. Mais là, il y a juste 15 jours avant la troisième intervention, avant Noël. Donc, alors vous voyez qu'il y a des piles de livres là. Vous avez fait des commandes la dernière fois, donc vous allez avoir 3 livres si vous faites des commandes, au lieu d'un. Sympa, hein. Non seulement vous aurez le séminaire aujourd'hui, hein, en livre poche, parce qu'au seuil, de toute façon, il n'existe plus. Et puis vous aurez 2 livres dont j'ai fait un choix quand même particulier. J'ai acheté, enfin l'association a acheté, pas moi, de Sigmund Freud, 2 livres. Un livre qui s'appelle « Abrégé de psychanalyse », c'est le dernier livre que Freud a écrit. Lacan appelle ça le testament de Freud, hein. Il l'a écrit, il ne l'a même pas terminé. Il n'est pas fini ce livre. Mais il est extrêmement intéressant. Et ça, c'est la technique psychanalytique de Freud. Et c'est le premier livre de Freud. Et donc, si vous les mettez comme ça, si vous lisez les deux, eh bien, vous aurez lu beaucoup de Freud. Parce que dans ces deux livres-là, il y a une espèce de synthèse extraordinaire de toute l'œuvre de Freud. Si vous avez le courage de lire les deux. Ils sont très faciles à lire. Hein, et très agréables à lire. Donc, je dirais pas que c'est un livre de chevet, mais presque. Hein. Donc, alors, dans la technique psychanalytique, dans celui-là, vous avez un chapitre que je vous conseille vraiment de lire absolument, qui s'appelle « Conseil au médecin ». Alors, il ne faut pas tenir compte du mot « médecin », c'est comme si c'était conseil à tout le monde. À tout le monde. Et c'est d'une clarté, d'une limpidité sur la manière dont il faut soigner les gens, les écouter, les entendre, interpréter un peu ce qu'ils disent, les soigner. C'est extraordinaire de limpidité, je vous dis, et de clarté. Donc il faut vraiment lire ce chapitre-là qui est page 69. Je vérifie que c'est ça. Conseil aux médecins dans le traitement psychanalytique. Bon, ben, le titre est comme ça parce qu'à l'époque, Freud ne concevait pas que la psychanalyse ne puisse être exercée que par d'autres que par des médecins. Mais en fait, les conseils qui sont donnés là s'adressent à n'importe qui, en fait. Hein, parce que c'est tellement du... C'est pas du bon sens, hein, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence là-dedans, de subtilité. Mais tout le monde peut retirer quelque chose de ce chapitre-là. Tout le monde. Hein. Surtout que l'écriture, c'est pas l'écriture de Lacan. L'écriture de Lacan, il faut la déchiffrer. Freud, non. Freud, pas toujours, hein, pas tous les bouquins de Freud. Hein. Mais ces deux-là, ils sont limpides et le style est magnifique. Malgré la traduction. C'est traduit, évidemment. C'est une nouvelle traduction. Je ne suis pas sûr. Parce qu'effectivement, il y a eu d'anciennes traductions que Lacan n'estimait pas beaucoup. Traduction de l'allemand par plusieurs personnes. C'est plusieurs personnes, là. Et oui, parce qu'il y a eu des traductions, notamment de Marie Bonaparte, notamment, et puis d'autres quelques personnes comme ça. C'est des traductions que Lacan disait mauvaises, mais enfin bon, moi, j'ai jamais pu savoir si c'était mauvaise ou pas. En tout cas, là, c'est une nouvelle traduction, oui, c'est une nouvelle traduction. Donc, à la fin de cet échange, on vous distribuera tous ces livres à ceux qui les ont demandés. Hein, donc, vous en aurez 3 chacun. 3 chacun. Donc, cette année, alors, avant de commencer, je voulais remercier quelqu'un en particulier, c'est le docteur Alain Val qui est ici présent. Et qui, en 2015, m'a remplacé, je vous en avais un petit peu parlé lors de la première séance, m'a remplacé alors que j'étais malade pendant toute l'année, et il a assuré justement le séminaire L'Angoisse à sa façon, avec sa manière, avec son intelligence à lui. Et donc il a permis que le séminaire perdure, sur quoi je suis très reconnaissant, parce qu'une interruption d'une année, ça aurait pu être fatale, hein, pour le séminaire. Donc cette pérennité a été assurée par le docteur Alain Val, ici présent. Avec Raphaël. Mais enfin, c'est toi qui as fait le boulot quand même, hein, je le sais. Docteur Lavac, qui est psychiatre, hein, voilà, qui est présent. J'en profite pour saluer mon confrère aussi, le docteur Jouet, qui est présent, qui est psychiatre aussi. Et je vous salue tous, bien entendu, chaleureusement. Donc aujourd'hui, nous allons faire le chapitre, je ne sais même plus combien, le chapitre... 5, 7. 5. Le chapitre 5. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est un ordre arbitraire. Hein. Je n'ai pas. Je n'ai pas réfléchi tellement. J'ai fait attention de ne pas refaire tous les chapitres que Alain avait déjà fait.
Celui-là, il l'a fait. Bon, mais bon, je ne pouvais pas faire autrement, parce que je suis, comme j'ai 10 séances, il y a forcément des superpositions. Forcément. Mais il y a un certain nombre de chapitres que je vais faire et qu'il n'avait pas pu faire, puisqu'il avait fait 13 séances à l'époque, c'était déjà énorme, hein. C'est considérable. Et c'était en 2015, exactement. Donc, je vais revenir un tout petit peu sur Hegel. Sur Hegel. J'en ai parlé la dernière fois, vous vous souvenez, hein. Et je vous avais dit que... Alors, je prenne mes petits crayons. Je vous avais dit que Lacan n'était pas content de ce qu'avait dit, de la remarque que lui avait fait Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss avait prononcé cette... savait que Hegel avait dit « Le désir, c'est le désir de l'autre », comme Lacan. Lacan avait aussi dit ça, hein, et aussi Hegel. Et donc, Claude Lévi-Strauss avait dit à Lacan, lors d'une séance ou de séminaire, « Mais en fait, vous ne faites que répéter Hegel et vous dites la même chose que lui. » Et Lacan n'était pas content. Il lui a dit « Non, absolument pas. Je ne dis pas du tout la même chose que Hegel. Je dis la même phrase peut-être, mais elle ne recouvre pas les mêmes choses, le même sens. » Et il s'en est expliqué. Donc je vais vous faire un tout petit résumé. Ça fera un peu une petite reprise de la dernière fois, mais ça éclaircira un petit peu les idées, parce que ce n'est pas si simple que ça quand même, hein. Donc, là, on va commencer par chez Hegel. Chez Hegel. Donc, cette phrase, le désir, c'est le désir de l'autre. Hein, c'est ça, la phrase. Hein. De l'autre avec un A majuscule. Hein, vous vous rappelez, hein, l'autre que j'avais qualifié comme le monde, hein, qui contient tous les symboles, le lieu de toute la symbolique. Hein. Ce qui est quelque chose d'infini, évidemment, à laquelle nous n'aurons pas accès. Je vous avais dit l'univers, mais c'est même pas l'univers, hein, parce que même l'univers en expansion, eh bien, on n'a pas sa finitude, on ne la connaît pas. Donc voilà. Et donc on n'a pas accès à l'autre, et c'est pour ça que Lacan l'écrit souvent autre comme ceci. On n'y a pas accès, on a accès qu'à une part de l'autre, ce que nous sommes capables de symboliser, c'est-à-dire pas mal de choses, mais loin de là que ce soit à l'infini. Donc, évidemment, l'autre est décrit de manière barrée comme ça, ou le A barré tout simplement, chez Lacan. Le A barré, ça veut dire ça, c'est qu'on n'y a pas accès. C'est tout. Ça ne veut rien dire de plus compliqué que ça. Alors, pour Hegel, chez Hegel, c'est assez particulier. Hein. Alors, Hegel, il parle de ça dans la phénoménologie de l'esprit. Hein, vous avez entendu parler de cet ouvrage, il est quand même très très connu, hein, la phénoménologie de l'esprit. Et dans la phénoménologie de l'esprit, c'est dur à dire. De l'esprit, Hegel, justement, déroule ce que c'est que la conscience, hein, et quelles sont les évolutions de la conscience chez l'humain. Voilà ce que fait Hegel dans cet ouvrage, la phénoménologie de l'esprit. C'est ça qu'il fait, les étapes de la conscience, si vous voulez, comment la conscience se construit. Et alors, Lacan est d'accord avec beaucoup de choses, mais pas avec tout, et surtout pas avec la conclusion de Hegel. Donc, chez Hegel, si vous voulez, la conscience... voilà, il a construit comme ça, alors, la conscience. On la met là, la conscience, hein, tout simplement, hein. On la met là, la conscience. On va l'appeler même la pleine conscience chez lui, hein. On l'appellera pas comme ça chez Lacan, mais chez Hegel, on peut l'appeler la pleine conscience de soi, parce que c'est ce que Hegel voulait. Et donc, Hegel disait que ça se faisait avec du travail. Alors le travail chez Hegel, ça ne signifie pas le travail au terme de productivité, de production, etc., au terme taylorisme du terme. Non, c'est pas ça. Hein. Enfin, ça peut inclure le travail aussi, bien entendu. Le travail à la chaîne peut être inclus dans le travail hegelien. Mais bon, en l'occurrence, c'est plutôt le fait que toutes vos actions, vous les tournez vers le monde et vous les plaquez sur le monde. Et je vous avais donné un exemple métaphorique, simple à comprendre. Quand on fait un dessin, quand un enfant fait un dessin, c'est ce que je vous disais la dernière fois, il le plaque à un tableau où il vous le donne, donc il donne au monde ce dessin, vous voyez ? Il le plaque au monde. Donc un dessin d'enfant, c'est un travail pour Hegel. Un dessin d'enfant, c'est l'exemple que je vous donne. Je ne vous en donnerai pas 36 000, mais celui-là, il est parlant. Et donc, l'enfant va l'agrafer, si vous voulez, dans le monde. Il va l'agrafer sur le monde. Et si on raisonne en se disant que ce travail-là, ce travail hegelien, on le fait dans tous nos actes et dans toutes nos actions, eh bien, nous allons finir par plaquer sur ce que nous appelons le monde ou sur la conception que nous en avons,
eh bien, quelque chose de notre être, de notre être à nous. Hein? Notre être va être plaqué ici. Et pour Hegel, ce qui est très important à comprendre, pour Hegel, et c'est ce que Claude Lévi-Strauss avait compris pour Hegel, mais pas pour Lacan, eh bien, c'est qu'au bout d'un certain temps, on a la pleine conscience de soi-même. Voilà, la résultante, si vous voulez, la conclusion de Hegel, c'est qu'on en arrive à la pleine conscience de soi-même. De soi-même. Ce qu'il appelle en allemand, je pourrais mal vous prononcer malheureusement, mais bon, la Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Alors moi, je ne suis pas germaniste, donc la prononciation n'y est pas. Mais ça veut dire la confiance en soi, un regard sur soi confiant, voilà, ça veut dire ça, quoi. Et donc, du coup, il y a quelque chose d'étrange chez Hegel, et c'est là que Lacan n'est pas d'accord, c'est qu'au départ, eh bien, il y a au départ, le sujet est là, hein, le sujet est là, le sujet hegelien est là, le sujet tout court est là. Au départ, il y a déjà une conscience, puisque le sujet projette, par exemple, des dessins agrafés sur le monde, des dessins un enfant. Hein. Donc il y a une première conscience, là. L'ennui, c'est que chez Hegel, eh bien, tout d'un coup, si on arrive au bout du travail, on a deux consciences. On a deux consciences. C'est ça le problème chez Hegel, c'est qu'on a deux consciences. Et du coup, Lacan dit, le problème de Hegel, c'est que la conscience est transparente à elle-même, ce qui ne se peut pas. La conscience de chacun est transparente à elle-même. Et Lacan dit, c'est impossible, ça. Hein? Pour Lacan, c'est impossible. Donc je vais le marquer ici, conscience transparente à elle-même. C'est ce que dit le terme allemand, hein, le Selbstbewusstsein, hein, conscience transparente à elle-même. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si cette conscience est transparente à elle-même? Eh bien, c'est qu'il y en a une des deux qui va devenir objet de l'autre, qui va être objectivée par l'autre, nécessairement. Et donc, ce soit celle-là qui devienne objet de l'autre. Donc, du coup, si l'une devient objet de l'autre, il va forcément y avoir des conflits entre ces deux consciences. Hein? Il va forcément y avoir des conflits, et ce que Lacan appelle des violences. Lacan dit carrément, parle de violence chez Hegel. Mais vous remarquerez que cette démonstration que je fais de Hegel, que je simplifie à l'extrême, je demande pardon aux philosophes qui seraient là éventuellement du simplisme que j'utilise, mais c'est parce que je veux que les gens comprennent et je ne veux pas faire discours de chapelle, je vous l'ai déjà dit, hein. J'y tiens beaucoup à ça. Et ce que je dis là n'est pas faux, hein. Ce n'est pas une simplification triviale, absurde, non, hein, c'est cohérent. Par rapport à la pensée de Hegel, parce que je l'ai lu, la philosophie de l'esprit quand même, hein. Je me suis tapé ça, hein. Bon, je vais vous dire, il faut être un peu courageux quand même, hein. Il faut avoir quelques dimanches à consacrer, hein, et s'ennuyer un peu. Donc, enfin bon, je ne décourage pas de le lire, hein. Si vous voulez l'acheter, le lire, mais bon, il faut que vous ayez beaucoup de soirées au coin du feu quand même, hein. Voilà, et qu'il pleuve dehors, ou aussi, ou qu'il neige. Donc, cette espèce de pleine conscience, oui c'est ça, donc il y a des conflits, il y a de la violence, etc. Et donc c'est quelque chose qui... Alors, vous remarquerez, peut-être l'avez-vous déjà remarqué, je vous l'ai dit la dernière fois, mais c'est exactement la même chose que le « je pense, donc je suis » de Descartes. Hein? On pourrait plaquer chez Hegel, je vais le faire en bas là, « je pense », on pourrait mettre le « je pense » ici, et puis le « je suis » ici, et « je suis » ici, « je pense, je suis ». Hein, de Descartes. Mais c'est exactement pareil, parce que là, on a un individu qui pense deux fois chez Descartes. On a une personne qui pense deux fois, et puis on a un premier jeu qui crée le second jeu. Ce qui n'est pas possible. Hein. Lacan le dit textuellement, il dit on ne peut pas se créer soi-même. Je vous rappelle, je vous l'ai dit la dernière fois, hein. On ne peut pas se créer soi-même. Donc, il avait vu cette phrase étonnante, Lacan, pas pour critiquer Hegel, justement. Il avait dit, nous croyons que nous sommes nous. C'est étrange cette phrase, hein? Nous croyons que nous sommes nous. Mais nous ne sommes pas nous. Hein? Nous ne sommes pas nous. C'est une croyance, à la limite, qui est légitime. Hein? On ne va pas blâmer les gens qui pensent qu'ils sont eux. Mais non. Hein? Parce qu'il y a une imperfection chez l'humain qui fait qu'il n'est jamais lui dans une forme de totalité.
on dit ça, il en rigole un peu, quoi. Hein. Alors, chez Lacan. Donc, chez Lacan, je vais le mettre ici. Chez Lacan, c'est différent. Chez Lacan, c'est différent. Vous avez toujours le sujet. Vous avez toujours la conscience. Et puis l'autre, le monde, quoi, hein, le monde. Mais ce que dit Lacan, ça va être d'une certaine façon plus simple et plus court à expliquer, et pas tellement compliqué à expliquer, justement. C'est que quand vous considérez le monde, vous savez bien que vous n'allez pas le cerner dans sa totalité. Ce n'est pas possible. Hein. Il y aura toujours un reste. Il y aura toujours un reste. Il faut être modeste quand même par rapport à ça. Hein. Il y aura toujours un reste. Et ce reste, Lacan l'appelle l'objet A. Vous vous rappelez, j'en ai parlé la dernière fois. Hein. Ce reste, Lacan l'appelle l'objet A. Donc, s'il y a une perte, s'il y a une perte, s'il y a un reste, comme le dit Lacan, eh bien, une première conscience ici ne peut pas aboutir à une deuxième conscience pleine ici. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, Claude Lévi-Strauss, que je marque ici, là, Claude Lévi-Strauss, avec un point d'interrogation, eh bien, il se trompait quand il disait qu'à Lacan, il racontait la même chose que Hegel. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Hein. Parce que cette perte irréparable, hein, irréparable, eh bien, elle fait qu'on ne peut pas construire une deuxième conscience. Et c'est ce qui a fait qu'il a critiqué aussi le « je pense, donc je suis » de Descartes en disant « on ne peut pas se créer soi-même ». Et nous croyons que nous sommes nous, vous voyez. Lacan était subtil quand même, hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il a écarté toutes les théories de Hegel, etc. Pas du tout, hein, pas du tout. Il a une grande admiration pour le philosophe Hegel, Lacan, hein, je crois pas, hein. Mais là-dessus, bon, il y avait à redire, quoi. Voilà. Et il l'a dit, je pense que je vous l'ai expliqué de manière à peu près claire, non? Est-ce que c'est possible pour vous? Comme ça, il ne peut pas y avoir d'intelligence artificielle, en fait. Une intelligence artificielle qui serait une conscience exacte de notre conscience? Non. Pas plus. Non. Ça ne pourrait pas, non, effectivement, vous ne pourriez pas construire une conscience transparente à vous-même. Avec du numérique. Vous n'y arriverez pas, parce qu'il y aura toujours... Vous avez beau aligner des 0 et des 1 et des 0 et des 1, vous verrez la ligne de fuite vers l'infini, et vous ne pourrez jamais l'atteindre. Donc ce ne sera jamais possible. Hein. En tout cas, dans l'état actuel de nos connaissances, moi c'est ce que je dis, après peut-être que ce sera affirmé un jour, hein, et que votre question, la réponse ne sera pas la même, je ne sais pas. Pour l'instant, en tout cas, moi, je ne peux répondre que ça. D'autant plus que les ordinateurs actuels et l'intelligence artificielle, c'est quand même l'homme qui les programme. Hein. Alors, après, il est possible qu'il y ait des intelligences artificielles tellement sophistiquées qu'elles puissent se programmer elles-mêmes, vous voyez, et produire des programmes elles-mêmes, s'auto-programmer. Mais enfin, on n'en est pas encore tout à fait là. Et ce ne sera jamais exactement la même chose que l'intervention de l'homme. Et on va voir d'ailleurs, parce qu'on va voir que ça... qu'à un moment donné, Lacan parle de Pavlov, et on va voir que ça éclaire un peu tout ça quand même, hein, quand il parle de Pavlov, justement. Hein. Et donc, voilà, alors je vous ai réexpliqué ça, c'était pour faire un petit résumé de la dernière fois, mais en étant un peu plus clair peut-être que ce que j'ai pu l'être la dernière fois, parce que je ne tiens pas à ce que vous soyez dans le noir, dans l'incompréhension de ce que je raconte. Ça, c'est pas possible. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Il est important qu'on n'oublie pas l'œuvre de Freud et l'œuvre de Lacan, mais à condition qu'on la comprenne. Si on ne comprend rien, ça n'a aucun intérêt. Hein, si c'est une espèce de discours d'entre-soi, comme je dis, hein, comme on dit souvent, hein, parce qu'il existe, hein, beaucoup de séminaires, notamment parisiens, très chics, où c'est vraiment de l'entre-soi. Quoi. Et si vous y allez, vous ne comprendrez pas un mot de ce qui s'y raconte. Hein. Bon, voilà, cette espèce de jouissance de l'entre-soi intellectuel. Moi, dont je ne veux pas. Hein, c'est pas mon... Ça n'a jamais été mon propos ici. Quoi. Donc voilà. On va commencer donc le chapitre. Enfin, on a déjà commencé là, hein, en parlant de Claude Lévi-Strauss et puis de Lacan et de Hegel. Et on va parler un petit peu de. Alors attendez, on va commencer par qui ? Par Pascal. On va commencer par Blaise Pascal, voyons.
ce qui est éclatant, c'est qu'on voit tout un tas de personnages comme ça, parce que Blaise Pascal apparaît assez longuement dans le chapitre. Hein. Et pourquoi est-ce qu'il nous parle de Blaise Pascal? Eh bien, Blaise Pascal, il avait inventé, enfin pas tout à fait, mais il avait, si vous voulez, il avait amélioré le baromètre. En fait, l'invention véritable du baromètre, c'est Torricelli, c'est l'italien Torricelli, hein, qui l'avait inventé du côté de 1600, et Blaise Pascal, il est arrivé un petit peu plus tard, pas beaucoup plus tard, hein. Il est arrivé à la fin du 17e peut-être, Blaise Pascal, je ne sais pas si date exacte en tête, mais c'est, grosso modo c'est ça. Hein. Et donc Blaise Pascal, il avait remarqué que quand on prenait une cuve dans laquelle on mettait du mercure, mercure c'est écrit Hg, hein, Hg dans son symbole, et pourquoi il ne mettait pas de l'eau? Et bien parce que si vous voulez faire un baromètre avec de l'eau, il faut que vous construisiez un tube en verre de 15 mètres de haut pour arriver à avoir des valeurs visibles. Donc c'est pas possible. Hein. Surtout qu'à l'époque de Blaise Pascal, et puis il n'y avait pas de possibilité de construire des tubes, des trucs en verre aussi longs. Maintenant, on y arriverait certainement. Mais à l'époque, la maîtrise du verre, c'était pas ça. Hein. Et donc ça cassait, etc. Et ça a posé des gros problèmes. Hein. Ça a posé des gros problèmes à Pascal et à Torricelli surtout. Hein. Torricelli a eu de gros soucis avec le verre, parce qu'il n'arrivait pas à construire des tubes qui ne cassaient pas. Hein. Mais Torricelli a eu aussi l'idée d'utiliser le mercure, hein, parce que le mercure est beaucoup plus dense, et donc du coup il en faut beaucoup moins que l'eau. Et donc on peut construire des tubes en verre beaucoup moins longs, d'un mètre par exemple, hein, d'un mètre de hauteur. Et donc il avait remarqué ceci, Torricelli et puis Blaise Pascal, ils avaient remarqué que quand une cuve est remplie comme ça de mercure, si on plonge dedans un tube, justement, un tube qui est fermé en haut, hein, un tube qui est fermé en haut, voilà, et que l'on plonge dans le mercure, eh bien la pression atmosphérique qui est là, hein, la pression atmosphérique est dans ce sens-là, elle pousse sur le liquide, donc le liquide va remonter vers là, mais il va s'arrêter à un moment donné, parce qu'il y a la force de la gravité qui va dans l'autre sens. Là, vous avez la poussée atmosphérique et là, vous avez la gravité. Alors, évidemment, la grande question, c'était pas tellement de... Alors, Blaise Pascal, il était de Clermont-Ferrand, et donc il y avait le Puy de Dôme qui n'était pas loin. Et donc, il envoyait son beau-frère avec la cuve, avec le baromètre, en haut du Puy de Dôme, il fallait le faire quand même, hein, en haut du Puy de Dôme. Et alors, Blaise Pascal faisait des mesures en bas, et puis son beau-frère faisait des mesures en haut, hein, du Puy de Dôme. Et il avait remarqué, le beau-frère, que, eh bien, quand il montait, si vous voulez, la pression diminuait, la pression atmosphérique diminuait. Et donc le mercure descendait, la pression était plus basse. Et effectivement, en altitude, la pression atmosphérique est plus basse. Hein, elle est plus basse. Et donc, alors, la question n'est pas tellement là, c'est en haut du tube. En haut du tube, qu'est-ce qui se passe? En haut du tube, eh bien là, qu'est-ce qu'il y a là? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il y a là en dessous du mercure? Le Hg, il est là, le mercure. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de... Eh bien, il y a le vide. Mais nous, ça nous paraît évident, le vide. Mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Et même, à l'époque, la religion disait, mais le vide, ça n'existe pas. Dieu ne permet pas le vide. Hein? Et donc, Torricelli avait déjà des soucis avec cette histoire-là, parce qu'il commençait à parler du vide. Et donc, il avait des soucis. Et Pascal, moins, parce que Pascal était très chrétien, etc. Donc, il a eu moins de soucis, mais il y avait quand même des questions de religiosité qui s'interféraient avec la question du vide. Et donc, pourquoi est-ce que Blaise Pascal intéressait, parce qu'il est un mathématicien, dans d'autres séminaires, on l'a étudié, Blaise Pascal, on a étudié son triangle, hein, parce qu'il avait inventé un triangle qui permettait de faire des calculs assez complexes, assez rapidement. Pas comme avec nos petites calculettes actuelles, hein, bien sûr que non, hein, nos téléphones. Mais quand même, c'était pas mal. Et il a inventé une machine qui s'appelle la Pascaline. Vous pouvez la voir dans un musée à Paris, hein, c'est une machine extraordinaire. Hein. Extraordinaire, vraiment. Il n'en a pas construit beaucoup, tellement elle est complexe, une vingtaine, c'est tout. Il en reste 4 ou 5 en état. Cette Pascaline, elle permettait déjà de faire. C'était une machine à calculer.
C'est l'ancêtre de l'ordinateur, en 1600 et quelques quand même, il faut le faire, hein. Extraordinaire, hein. Qui est bourré de rouages dans tous les sens, de machin. C'est une machine très très compliquée. Il avait du mal à la construire, hein. Et c'est pour ça qu'il en a construit très peu. Il ne pouvait pas faire des séries. Et du coup, elle coûtait extrêmement cher. Donc, il en avait fait, offert au roi et au prince de ce royaume, enfin au prince de ce monde, mais il ne pouvait pas la commercialiser, quoi, si vous voulez, sur Amazon, quoi, hein, ça aurait coûté une fortune colossale, la Pascaline. Mais c'est un engin. Allez voir sur Google la photo de la Pascaline, ouais, c'est quelque chose. Hein, vraiment, il fallait être un génie pour concevoir quelque chose de la sorte. Hein. Donc, l'histoire du vide, évidemment, ça intéressait Lacan parce que ça rejoint un peu ce que je vous ai dit la dernière fois. Vous vous rappelez que je vous ai dit que le sujet, quand il arrive au monde, eh bien, avant lui, il y avait déjà du monde. Hein? Avant lui, il y avait déjà du monde. Et Lacan, il appelle cette antériorité du sujet, l'antériorité du sujet, il appelle le S1 de Lacan. Et ce S1, nous y sommes reliés, rappelez-vous, je vous l'ai dit la dernière fois, parce que Lacan appelle le trait unaire. Celui qui nous unit à cette antériorité. Mais l'antériorité, ici je mets un trait, parce que cette antériorité ici, nous n'y avons pas accès. Elle est absolument impossible à connaître. Et c'est donc une perte irréparable. Hein? Bon, je vous ai parlé tout à l'heure de la perte irréparable, hein? De l'objectita qui tombe. Hein? Eh bien, cette perte irréparable, c'est celle-là. Hein? C'est exactement celle-là. Celle qui se perd ici, du fait de votre souvenir. Vous pouvez avoir le souvenir de S1. Pourquoi est-ce que vous pouvez avoir un souvenir de S1? Tout simplement parce que vous allez arriver comme sujet, voilà, mais vous allez avoir d'autres objets, il va y avoir des S2, sujet encore, des S3, etc., à l'infini comme ça. Et donc les S2 et les S3, par exemple, cette table c'est un S2, hein? Patrick que je vois là, c'est un S3, hein? Et le mur est un S4, etc. etc. Et on a des millions comme ça de symboles qui nous rappellent, hein, qui sont les vestiges, si vous voulez, de certaine façon, qui sont les vestiges du S1. Vestiges du S1. Donc, on peut se dire qu'on peut l'effacer, qu'on peut l'oublier, d'une certaine façon, hein? On peut l'oublier, mais on ne peut pas l'effacer. Voilà. Le S1 est ineffaçable. Ineffaçable. Tout simplement parce qu'il n'y a pas accès. On n'y a pas accès. Donc c'est une perte irrémédiable à laquelle il faut nous faire. Il faut qu'on s'y fasse. Hein. Ça s'appelle la castration. Ça s'appelle pas autrement. Hein. Ça s'appelle la castration. Sous les termes de castration, là, on peut digresser pendant des siècles sur l'histoire de la castration. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Mais ça, c'est la castration. C'est la castration symbolique. Hein. C'est la castration symbolique, puisque le symbole était un S1, il est perdu. Il faut en faire notre deuil. C'est comme ça. Hein. À propos de deuil, je pensais ça, Freud. Freud avait perdu une de ses filles, qui s'appelait Sophie. Qui est morte de la grippe espagnole, très très jeune. Et avant qu'elle ne meure, Freud avait écrit plein de choses sur le deuil. Et il avait dit, quand quelqu'un meurt, on peut toujours arriver à en faire le deuil. C'est long, ça prend du temps, mais on y arrive. Hein? Et à partir de la mort de sa fille Sophie, il a dit non, j'ai dit des conneries. On ne peut pas faire le deuil d'un enfant. Voilà. C'est impossible. Parce qu'il dit, la perte d'un enfant, c'est inconcevable. C'est le terme exact de Freud, hein. c'est pas le mien. Hein. La perte d'un enfant est inconcevable, et donc on en fait un deuil partiel, heureusement, quand même, hein, bien entendu. On fait un travail de deuil, c'est payant, bien entendu. Mais accompli complètement, non, ce n'est pas possible. Hein. Et c'est à partir de cette histoire de la mort de sa fille Sophie, qui était sa fille chérie, qui est morte très très jeune, hein. Ça a été terrible pour lui, hein, pour Freud. Hein. Et la grippe espagnole, ça n'épargnait pas les gens. C'est dans les années 20, par là, hein, après la Première Guerre mondiale. Hein, et ça a tué des millions de personnes. Hein, cette grippe qu'on appelait la grippe espagnole, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, on l'appelait comme ça.
Donc, oui, avant de continuer, j'avais une petite devinette à vous demander, quelque chose à vous demander, parce que dans ce séminaire qui s'appelle L'angoisse, à un moment donné, Lacan parle d'une nouvelle de l'écrivain russe Anton Tchekhov, qui s'appelle L'angoisse. Cette nouvelle s'appelle Angoisse exactement, Angoisse. Et Lacan en parle. Et c'est une magnifique nouvelle que moi j'ai lue, et qui, je vous la résume en deux secondes, hein, et qui raconte, là, c'est un vieux monsieur, un cocher russe, au temps des tsars, peut-être au temps de Nicolas II ou avant, je ne sais pas, Catherine II, j'en sais rien, qui est sur son champ cheval, et derrière il y a une carriole, et il est un peu taxi si vous voulez, quoi, hein, il trimballe des gens, et derrière il y a un officier en grande tenue qui est là, et qui va transporter d'un rang à un autre. Et ce pauvre cocher, il est couvert de neige, il fait un froid atroce, c'est en Sibérie je crois, il doit faire moins 30, quelque chose comme ça, et ils sont complètement congelés. Et le problème de ce cocher, c'est qu'il a perdu son fils. Et donc, il demande au monde, justement, il s'adresse au monde en disant, parce que le sous-titre de Angoisse, c'est « À qui confierai-je ma peine ?»« À qui confierai-je ma peine ?» C'est le sous-titre de cette nouvelle. Et donc, alors il se tourne vers l'officier qui est derrière, là, en tenue, et lui dit « Voilà, mon fils est mort, etc. » Et l'officier s'en fout complètement. L'officier ne l'écoute même pas. Il dit « Vous m'amenez à tel endroit, là, c'est tout, voilà. » Donc, ce pauvre cocher se retrouve dans une solitude effroyable, une solitude existentielle, épouvantable. Et c'est pour ça que le titre, c'est « À qui confierai-je ma peine ?» Parce qu'il ne peut la confier à personne, sa peine. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que cette nouvelle, eh bien, je l'avais trouvée en livre à la bibliothèque municipale, au milieu d'autres nouvelles, dans un petit livre qui s'appelle « La dame au petit chien et autres nouvelles ». Voilà, et elle était dedans. Et j'ai racheté La Dame au petit chien et autres nouvelles, et elle n'y est plus. Alors, j'ai épluché, je suis allé à la librairie le livre, j'ai épluché tous les bouquins de la Pléiade sur Anton Tchekhov, etc., pour retrouver cette nouvelle. Je ne la retrouve pas. Je ne sais pas où elle est. La nouvelle de Tchekhov s'appelle L'effroi. C'est peut-être celle-là. Si tu retrouves l'histoire que je viens de conter, c'est celle-là. Faudra que tu vérifies si ça correspond. Faudra que tu regardes si ça correspond. Et si ça correspond, ça m'intéresserait de savoir où elle se trouve. Parce que même au livre où ils sont plutôt savants, là, les vrais le livre, ils ne me l'ont pas trouvé. Et on a regardé, il y a un recueil de la Pléiade où ils ont compilé toutes les nouvelles de Tchekhov et il n'y a pas Angoisse. Et alors, ils ont abandonné. Moi, ça m'attriste parce que j'aurais voulu la voir. Évidemment. On peut la trouver sur Internet, hein. Vous pouvez la lire sur Internet, cette nouvelle. Et puis je vous en ferai une copie de toute façon. Ne la lisez pas pour l'instant, parce que moi je l'avais copié sur... Mais j'ai perdu le bouquin, quoi. C'est ça qui m'embête. J'ai perdu le bouquin, je ne le retrouve pas, le bouquin où il était. Et ça m'énerve, parce que la lire sur Internet, ça ne me plaît pas tellement. Voilà, je voudrais avoir le livre, j'aurais voulu avoir la nouvelle, quoi. Donc si quelqu'un peut résoudre cette énigme de qu'est-ce qu'est devenue cette nouvelle de Tchekhov, Angoisse, eh bien je le bénis d'avance. Parce que je ne sais pas. Mais peut-être, comme dit Jean-Claude, c'est peut-être l'effroi. Ou c'est peut-être sous un autre terme, la frayeur, l'effroi, la peur, je ne sais pas. Peut-être. Mais le terme angoisse, c'était le terme de l'époque, et c'est pour ça que ça avait intéressé Lacan, évidemment. Hein, c'est pour ça. Et il en parle dans un des chapitres. Donc on rencontrera cette nouvelle, et le jour où on la rencontrera, je vous la distribuerai en polycopié, hein, bien entendu. Parce qu'elle est très belle. Voilà, il faut la lire. Hein. Si vous ne lisez pas les nouvelles de Tchekhov, vous pouvez au moins lire celle-là, parce qu'elle est magnifique. Magnifique. L'écriture est splendide. Hein. C'est très court, hein. c'est quelques pages, hein. Mais c'est sublime. Vraiment. Donc, alors, Lacan, là, j'ai beaucoup digressé. Hein, ouais. Mais bon, c'est pas grave, c'était nécessaire. Alors, Lacan dit ceci, page 70, alors l'édition du Seuil, vous ne l'avez pas encore, mais vous aurez les bouquins tout à l'heure. Il dit ceci, tout ce qui se déroule en la place vide, là on a dû parler du vide, hein, la place vide dont parle Lacan, c'est celle-là la place vide, c'est le S1. Quand Lacan parle de la place vide, c'est le S1, c'est la place à laquelle on n'a pas accès, la place vide. Hein. Mais n'empêche qu'elle existe quand même, hein, cette place vide. Et il la nomme comme ça, il dit c'est une place vide.
elle pourrait presque avoir sa plaque, comme dans une ville, si vous voulez, une plaque bleue, elle est marquée place vide. Hein, on pourrait appeler une plaque. S'il y avait beaucoup de Lacaniens sur cette terre, on pourrait appeler une plaque la place vide. Hein, ça serait sympa, je trouve. Ça étonnerait les gens peut-être, mais ça serait pas idiot. Donc, tout ce qui se déroule en la place ville nous déroute. Ben oui, ça nous déroute, évidemment, puisqu'on n'y a pas accès. Hein, ça nous rend perplexe. Ça nous rend perplexe. Alors il dit, c'est un abord objectif ou et de l'angoisse, c'est un abord objectif de l'angoisse. Nous ne savons pas, nous ne savons que nous y perdons, car la question de la dimension de l'autre, pardon, reste dominante. Oui, voilà, parce que ce monde-là, eh bien, cette place vide, c'est l'autre dont parle Lacan, c'est le monde auquel on n'a pas accès, et donc c'est l'objectita, c'est ça, c'est le morceau auquel on n'a pas accès, cette pièce qui nous manquera tout le temps, l'objectita, c'est la place vide. Donc elle nous taraude, cette place vide-là, elle nous taraude. Alors, c'est là qu'il parle de Pavlov. Alors, Pavlov, c'était, tout le monde connaît Pavlov, ben, quand même, Ivan Pavlov, c'était un russe aussi, mais pas de la même époque que Tchekhov, enfin, je ne sais pas exactement. Pavlov, il était du 19e, 1850 par là, quelque chose comme ça. 1949. Ouais. Et donc il est mort dans les années 30. 36. Ivan Pavlov. Et donc il a fait des expériences qui sont très célèbres sur le chien. Vous savez, le chien qui sécrète de la salive lorsqu'il entend un stimulus qui n'est pas la viande. Hein. Voilà. Quand on lui présente la viande, le chien salive. Et puis si on fait sonner une petite clochette en même temps qu'on lui présente de la viande, il va saliver aussi. Puis un jour, on enlève la viande, on fait quand même sonner la petite clochette, et le chien salive quand même. Donc, si le stimulus est tout seul, eh bien le chien va saliver quand même, selon un arc réflexe particulier. Et donc, Pavlov avait construit une boîte assez compliquée. Je vais passer un petit peu là. Il avait construit une boîte assez tarabiscotée, dans laquelle il se planquait. C'est ça qui fait rire un peu Lacan, hein. C'est que Pavlov se planquait. En même temps, il admirait Pavlov, hein, parce que Pavlov, c'était quand même un sacré bonhomme. Hein. Il a été prix Nobel, il était mathématicien, il a été prix Nobel de physique ou de maths, je ne sais plus. Non, mais il a été prix Nobel de physiologie, peut-être. Hein. Oui, c'est ça. Vous avez raison. Il y a une médaille Field, mais il n'y a pas de prix Nobel, effectivement. Et donc, mais il a été prix Nobel. Et il était alors, c'était un personnage, paraît-il, très particulier, très obsessionnel, qui se levait à une heure extrêmement précise, qui mangeait toujours à la même heure, qui se couchait toujours à la même heure, qui rangeait ses affaires toujours de la même façon, etc. Qui était très, très rangé, très méticuleux, très rangé, etc. Et alors il avait une particularité, c'est qu'il était très anti-marxiste. Et à l'époque où il a existé, c'était pas très bien vu. Hein, et donc, mais il ne se privait pas de le dire. Il avait une telle notoriété qu'il pouvait se le permettre, sans avoir trop d'ennuis. Et un jour, il a dit quelque chose comme oui, avec toutes vos inventions, à vous les marxistes, pour toutes vos inventions, à vous les marxistes, je ne donnerai pas deux pattes arrière d'une de mes grenouilles. Hein, voilà, il avait dit ça. Ce qui pourrait envoyer quelques-uns au goulag maintenant. Hein. Enfin, non pas pour le marxisme, mais pour autre chose, quoi. Voilà, donc c'était un monsieur courageux et qui a beaucoup œuvré dans le domaine de la science. Ce n'était pas le premier venu, hein, Pavlov. Hein. Donc il avait construit une espèce de boîte comme ça, dans laquelle il mettait son chien, là, hein, le chien, quoi, voilà. Et puis alors lui, Pavlov, il était là, il était caché. Pavlov, il était là, c'est P-A-L-O-V, hein. Pavlov, avec un B à la fin. P-A-V-L-O-V. Et donc, il avait construit une espèce de boîte, et puis ici, il y avait un espèce de petit œilleton, comme il y en a dans les appartements. Hein. Il y avait un œil ici pour regarder, un œilleton. Et puis, un espèce d'oculaire, quoi. Comment on appelle ça déjà? Un œil. Un œil. Un jupiter. Ah oui, c'est ça. Merci. On oublie des fois des mots. Oui, comme ça, la symbolique, c'est pas si simple, hein, parce que des fois, même, on oublie. On voit le signe, ce qu'on appelle, on voit le symbole. Mais on n'a plus le mot, vous voyez, c'est la chose qui arrive, hein, souvent, trop souvent. Donc il regardait comme ça, Pavlov,
Et puis, donc, il avait ici une espèce de petit tube, si vous voulez, de tube en caoutchouc, qui reliait les glandes salivaires de l'animal à un petit récipient. Et donc, ici, il y avait une petite sonnette. Comme ça. Et donc, une fois qu'il avait habitué le chien à saliver avec de la viande et avec un petit coup de sonnette en même temps, eh bien, il ne donnait plus que le petit coup de sonnette et le chien salivait. Voilà. Et donc, Pavlov en a déduit que voilà, qu'un stimulus, il peut y avoir des stimuli psychiques qui suffisent à déclencher des choses sans que l'on ait à donner l'objet de la stimulation du départ. Voilà, hein, c'est un peu ça l'idée. Alors, Lacan, ce que dit Lacan, parce que Lacan, il critique cela. Il ne critique pas l'expérience. Hein. Il ne dit pas que l'expérience est stupide, pas du tout. Je pense qu'il admirait Pavlov aussi. Mais il dit, dans le cas présent, à une réaction naturelle, puisque c'est une réaction naturelle que de saliver, hein, à une réaction naturelle, on associe une stimulation présumée être différente de ce qui est intéressé dans la réaction. Donc voilà, on prétend que ce qui se passe là au niveau du chien quand il n'entend que la sonnette, c'est différent de quand il y a quelqu'un, si vous voulez, quand il y a son maître, quand il y a le maître qui est là avec la viande. Le maître plus la viande. Voilà ce que Pavlov dit, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas besoin chez Pavlov du maître et de la viande. La sonnette suffit, voilà. Mais Lacan n'est pas d'accord avec ça. Il dit, quoi que nous fassions, hein, alors je traduis un peu ce qu'il dit, quoi que nous fassions, il y a toujours de l'autre. Parce que là, qu'est-ce qu'il fait Pavlov? Il essaye de feinter le chien quand même, hein. C'est quand même une ruse, hein, que de mettre une boîte, etc. Et donc, Pavlov prétend qu'il s'abstrait complètement, hein, de l'expérience. Et là, Lacan dit, ce n'est pas possible. Quelle que soit l'expérience que l'on fasse, avec quelque animal que ce soit, ne serait-ce qu'une sangsue, c'est l'exemple que prend Lacan, hein, eh bien, on ne peut pas s'abstraire de l'expérience. La sangsue sait qu'il y a de l'autre. Et Lacan rajoute, quand on sait le lien que peut avoir un chien avec son maître, on voit à quel point l'autre avec un majuscule est présent pour le chien, l'autre, c'est-à-dire le monde. Et donc on a beau se planquer derrière la boîte de Pavlov, et bien le chien, il sait très bien qu'il y a de l'autre, qu'il y a du monde. Hein. Ça me fait penser à un truc que je ne sais pas si on fait, on dit toujours ça, mais en Bretagne, dans mon petit village d'où je venais, dans les Côtes d'Armor, il y avait un petit village où il n'y avait que des bistrots, hein, à l'époque, quand j'étais jeune. C'était un bistrot. Alors, quelquefois, il y avait une épicerie, mais si vous regardiez le fond de l'épicerie dans le noir, il y avait un bistrot. Donc, en fait, il n'y avait pratiquement pas de maison sans bistrot, quoi. Ce qui fait qu'il y avait un taux d'alcoolisme. Enfin, l'alcoolisme en Bretagne est encore assez présent, mais à l'époque, c'était terrifiant. Il y avait des suicides tout le temps, etc. Des Korsakov par paquet. Avec ça. Et je me rappelle que quand on rentrait dans l'épicerie, la plupart du temps, on voyait personne. Parce que les gens, ils étaient au bistrot dans le fond, dans l'obscurité. Et donc, on avait cette phrase, nous, je me rappelle très bien, on la disait comme toujours, un des petits, avec l'accent breton, on disait, il y a du monde. On questionnait ça tout le temps. Hein. Et donc, on avait une espèce de questionnement, si vous voulez, un peu anxieux. Hein, de savoir s'il y avait du monde, quoi. On était un petit peu embêtés de voir rien. Et quand on voyait quelqu'un d'autre arriver, un petit autre avec un minuscule, on était rassuré. Hein. L'obscurité n'était plus quelque chose d'agressant, hein, si vous voulez. Quoi. Il y a du monde. Voilà, donc vous voyez que cette phrase, y a-t-il du monde, elle interpelle le grand autre, elle appelle le grand autre, elle peut savoir si ça répond, le grand autre. Hein. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la dernière fois, c'est que cet autre de Lacan, avec un majuscule, ce monde-là, ben, on peut penser qu'il nous veut quelque chose, qu'il a un désir pour nous, hein, puisqu'il nous, il existe avant nous, et après nous, il est toujours là. Donc on peut se poser des questions sur nous qui ne sommes pas grand-chose et qui n'avons pas existé très longtemps,
hein, eh bien, sur ce que nous veut l'univers, si on appelle ça comme ça, ou le monde, s'il n'a pas un désir pour nous, un désir quelconque, un vœu quelconque, on peut se poser cette question-là. Après, on y répond comme on veut, ou on l'accepte pas, la question. Mais moi, elle me paraît assez évidente quand même, hein, et pour Lacan, elle l'était. Et donc Lacan dit que Pavlov faisait abstraction de ça. Et que donc, voilà, et donc il avait tort. Il avait tort. Et il disait même une sensue sait qu'il y a de l'autre. Alors il rajoutait, bien sûr, la sensue ne sait pas ce que l'autre, ce que c'est que celle que l'autre. Bien sûr, elle ne le sait pas. Mais l'autre est là quand même. On ne peut pas l'effacer. Et il prend l'exemple de, il prend les, à ce moment-là l'exemple de Lady Macbeth. Et chez Lacan, on va partout, hein, dans tous les sens. Hein. On va chez Shakespeare maintenant. Hein. Lady Macbeth, vous savez, c'est cette histoire de régicide où Lady Macbeth et puis son félin de mari, son fourbe mari, elle est fourbe aussi, hein, bien sûr, veulent tuer le roi d'Écosse, Duncan, pour prendre sa place, tout simplement, c'est toujours un histoire, hein, pour prendre sa place. Dans Hamlet, c'est pareil, hein, dans Hamlet, il y a aussi un régicide, hein, pour que quelqu'un prenne sa place, ce qui s'est fait, d'ailleurs, Hamlet. Hein. Et donc, Lady Hamlet tue absolument tout. Alors, ils arrivent, le couple infernal, Lady Macbeth et son mari, qui est général de l'armée, etc., bon, d'Écosse, arrive à tuer le roi, mais pour arriver jusqu'au roi, ils sont obligés de tuer plein de serviteurs, des chambellans en paquet. Ils ont tué, alors c'est un bain de sang épouvantable, et Lady Macbeth est couverte de sang. Et après, elle va passer le reste de son existence à essayer d'enlever le sang qu'elle a sur les mains. Mais elle n'y arrive pas. Elle se lave, et puis alors elle est contente parce que tout d'un coup, sa main est lavée, mais tout d'un coup, la tache réapparaît. La tache rouge réapparaît. Et elle a beau frotter à l'infini, la tache rouge réapparaît toujours. La tache sur la main de Lady Macbeth. Eh bien, c'est exactement ce que dit Lacan à propos du S1. Le S1. Vous voudriez l'effacer, vous voudriez complètement l'oublier, comme Lady Macbeth, vous n'allez pas y réussir. Vous n'allez pas y réussir. Parce que c'est votre antériorité radicale. C'est votre antériorité radicale. Donc ça ne s'efface pas, ça. C'est pas possible. Hein. Vous pouvez l'oublier éventuellement. Hein. Oui, l'oublier, ce n'est pas interdit. Vous pouvez l'oublier, vous pouvez passer à autre chose dans la vie. On n'est pas en train de penser au S1 toute la journée. Hein. Mais l'effacer, on ne peut pas. Ça fait partie de notre destinée, si vous voulez. Hein. D'accord. D'ailleurs, ce que je vous ai destiné tout à l'heure, quand je vous ai destiné ça, S1, et que j'ai mis après cette barrière-là, hein, S1, et puis après le sujet, puis un S1, S2, puis un nouveau sujet, puis un S3, puis un nouveau sujet, etc. Ben c'est ça que Lacan appelle la destinée. La destinée, c'est ça que Lacan appelle la destinée. Parce que c'est le défilé des signifiants, si vous voulez, mais toujours raccordé d'une façon ou d'une autre au signifiant primordial, le S1. Il est toujours là, vous ne pouvez pas l'effacer de la même façon que Lady Macbeth ne pouvait pas effacer la tache de sang sur sa main. Voilà. Donc, vous voyez que c'est ça qui est bien avec Lacan, hein, c'est qu'on va partout. On va dans les littératures. Oui, pardon, excusez-moi. Je ne comprends pas pourquoi c'est sous la figure du passé que le monde se rappelle à la conscience. C'est-à-dire que là, par exemple, je n'ai pas besoin de le passé se présenter à moi pour savoir qu'il y a quelque chose derrière la porte. Je ne comprends pas pourquoi ce rapport d'antériorité qui est déterminant dans le fait que ça revienne à la conscience de façon misérable. Non, ça n'est pas, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que vous pouvez tout à fait oublier le S1 et vous allez vivre votre destinée qui est une succession de symboles. Hein. Aujourd'hui, vous êtes à cet enseignement, tout à l'heure, vous serez ailleurs, etc. Ce sera un S3, S4, S5, etc. Ça, c'est votre destinée. Mais vous avez nécessairement une antériorité. Je vous avais donné une métaphore la dernière fois, que je donne toujours. Avant que vous arriviez sur Terre, il est probable que vos parents vous avaient déjà nommé. Donc, votre nom était déjà là avant que vous arriviez sur Terre. Et cette antériorité-là, c'est le S1, si vous voulez, quoi. C'est tout un tas d'autres choses, hein. Mais vous n'y avez plus accès, vous n'avez pas accès à ça. Hein, et vous êtes amarré, si vous voulez, à ce S1, et vous ne pouvez pas prétendre être conscient au monde dans sa totalité. Il y a une perte, et cette perte, c'est celle-là. C'est parce qu'il y a une perte que vous n'avez pas accès au monde dans sa totalité, contrairement à ce que dit Hegel. Si vous pensez ça, c'est que vous êtes hegelien, et c'est votre droit.
ce que je veux dire, c'est que même si le monde était événementiel, mettons qu'il va passer, il n'empêche que je n'aurais pas une expérience complète. Je ne vois pas le rapport que ça a avec pourquoi ce primat du passé, de l'antériorité, dans le fait qu'on n'ait pas un accès complet au monde. C'est vrai de n'importe quelle expérience, même dans un événement. Je ne comprends pas très bien votre question, mais il est évident que si vous arrivez comme sujet, est-ce que vous pouvez prétendre que vous n'avez pas d'antériorité? Est-ce que vous pouvez dire ça? Je n'ai pas d'antériorité. Alors, répondez à ma question. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Vous êtes obligé d'avoir une antériorité. Après, vous êtes obligé d'avoir une antériorité, que vous soyez lacanien ou pas. Il n'y a pas à être lacanien pour être obligé d'avoir une antériorité. C'est impossible. De la même manière que vous aurez, comme je vous l'avais dit la dernière fois, vous aurez une postérité à laquelle vous n'aurez pas accès. C'est votre nom sur votre tombe. Votre nom sur la tombe, en supposant que vous ayez une tombe. Voilà, un autre tombe, vous n'avez pas accès non plus. Donc, à ce qui vous est. Là non plus, à ça non plus, vous n'avez plus accès. Mais à la limite, si vous voulez, ces deux choses-là, c'est la même chose. Mais il est impossible de réfuter que nous n'ayons pas une intériorité. C'est impossible. C'est impossible. Ex nihilo, pardon. Il y a une reprise d'une phrase dictée par Lacan qui exprime bien ça. C'est les pères ont mangé des raisins verts et les enfants ont les dents amputées. Voilà. C'est pas difficile. Attendez pour la dire à haute voix. Je ne sais pas si c'est là. Oui, excusez-moi. Est-ce que tu veux te retourner à là pour la dire à la personne, parce que moi j'ai pas. Les pères ont mangé des raisins verts et les enfants ils ont les dents amputées. C'est ça. Pardon ? L'ADN ? Non. Non, c'est le S1. Non, c'est le S1. C'est quelque chose que je ne sais pas ce que c'est, moi, l'antériorité. Je ne la connais pas. Elle ne m'est pas accessible. Elle ne m'est pas accessible. Peut-être. C'est l'historique du sujet. Elle n'est simplement pas accessible, si vous voulez quoi. Donc, c'est sa méconnaissance. D'ailleurs, si vous n'aviez pas cette méconnaissance-là, s'il n'y avait pas ce vide, vous n'auriez pas de désir, parce que c'est ce vide-là qui vous aspire, de la même façon que ça, que le système de Torricelli et de Pascal aspirait du fait du vide, aspirait littéralement le mercure. Eh bien, vous êtes aspiré aussi d'une certaine façon par votre intériorité. Voilà, c'est comme ça. On n'y peut rien. Évidemment, c'est toujours gênant de penser qu'il y a quelque chose que l'on ne connaît pas de nous-mêmes. C'est la castration, évidemment, et l'accepter ou la refuser, c'est un problème. Accepter que nous ne soyons pas complets, nous ne soyons pas dans la complétude, et du côté d'une certaine finitude de nous-mêmes. Eh bien, voilà, c'est peut-être désolant, mais en même temps, quand Platon écrit ça, il écrit le sujet est barré parce que le sujet n'est jamais un sujet complet. Et là, il met une espèce de poinçon, ça c'est un poinçon. Et il met l'objet A ici. Et il appelle ça, cette formule, c'est le fantasme. C'est-à-dire c'est le lien du sujet à l'objet perdu. À l'objet perdu. À l'objet perdu à tout jamais du fait de l'antériorité inaccessible. Ou de la postérité après tout. C'est pareil. Qui va vous survivre. Et c'est ça qui fait que nous désirons. C'est ça qui fait que nous désirons. Et que, non seulement c'est ça qui fait que nous désirons, mais c'est ça qui fait que notre satisfaction n'est jamais pleine. Qui peut prétendre ici que sa satisfaction un jour est accomplie, pleinement, définitivement? Personne. Ce serait très grave, parce que si vous étiez satisfait, assez satisfait, ou complètement satisfait, eh bien, vous seriez dans un système de désolation absolue. Vous n'auriez plus aucun désir. Ce serait atroce, ce serait abominable. C'est ce qui arrive aux mélancoliques. En psychiatrie, mes confrères connaissent ça très bien. En psychiatrie, il y a ce qu'on appelle une maladie très grave qui s'appelle l'accès mélancolique. Eh bien, les gens, on dit, chez les mélancoliques, il y a la perte de l'objet. Je termine et puis je vous prends la question. Il y a la perte de l'objet, c'est-à-dire que chez le mélancolique, l'objectif est perdu. Donc le mélancolique ne désire plus rien, sauf la mort. Et le mélancolique dit toujours « je ne suis pas secourable », des choses comme ça. « N'essayez pas de m'aider, vous ne pourrez pas, il n'y a rien à faire pour moi. »
Et ce sont des patients auxquels il faut faire extrêmement attention parce qu'ils se suicident pour comme rien. Hein. Ils passent à l'acte, tout d'un coup, sans prévenir, schlap. C'est des patients qu'on surveille comme l'est sur le feu, hein, quand ils surveillent, quand ils ont perdu cette perte de l'objet. Mais cette histoire de perte de l'objet, hein, ce n'est pas uniquement lacanien, hein, ça. La plupart des psychiatres admettent ça. Hein. La plupart des médecins psychiatres parlent de la perte de l'objet, même ceux qui ne sont pas lacaniens, hein, chez le mélancolique. Hein. Moi, j'ai toujours entendu ça, des psychiatres classiques, hein, dire cela. Hein. Il y a une perte de l'objet, voilà. Donc, oui, par vous, les questions. Oui, je vais demander, est-ce que justement cette perte, l'objet petit a quelque chose à voir avec ce que l'on transmet de manière inconsciente de génération en génération et qui se transmet comme ça et qui nous échappe Oui, vous n'avez pas tout à fait tort. Hein. Bien que Lacan dise ce n'est pas une question d'hérédité, ou ce n'est pas une question d'ancestralité, je ne sais pas si le mot ancestralité existe, mais ce n'est pas une question d'archétype, etc. Ça nous arrive quoi qu'il en soit. Mais bon, ce que vous dites n'est pas idiot hein, du tout. Hein, effectivement, il y a d'une façon ou d'une autre, par le langage, on va transmettre cette perte d'une façon ou d'une autre. Parce qu'on va apprendre à notre enfant ce que c'est que l'incomplétude. Alors, votre question me permet de parler de quelque chose dont j'allais parler un petit peu après. Je vais un petit peu dans tous les sens, mais pas trop quand même. Où est-ce qu'elle est, Anna? J'ai oublié qu'elle était aimantée. Donc, Et quand vous dites qu'il y a perte de l'objet petit a pour les mélancoliques, oui. Et qu'il n'y a plus... De désir. Voilà, il n'y a plus la possibilité de penser existant. Ce n'est pas une perte, c'est qu'il n'y a... Il est, pardon. Il n'existe plus. Il n'a plus de réalité, je ne dis pas. La perte n'est plus là. Oui, enfin, le mélancolique, structurellement, c'est un aspect psychotique. Hein. Si vous êtes du métier, peut-être, je ne sais pas, l'accès mélancolique est un accès psychotique, ce n'est pas un accès névrotique. Hein. Et donc, il y a des pertes par rapport à la saisine de la réalité, évidemment. Oui, j'en veux, surpris. Pour illustrer, je suis à la retraite. Bah, si, j'ai une patiente qui était mélancolique, comme ça, puis c'était avec elle, autonome, elle était devant la fenêtre, au premier étage, et je la trouvais figée, comme ça, regardant fixement, m'approche d'elle, elle me voit, et elle me dit, regardez, comme c'est étrange. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui est étrange? Elle me dit, il n'y a plus personne. Ah, voilà. Et effectivement, je regarde dans la cour, et curieusement, en milieu de journée, comme ça, il y avait, on ne voyait pas de personne qui circulait, c'était même pas la cour du service de psychiatrie, c'était versant hôpital de Cotonou. Il y avait une espèce de. Et on sentait que, dans l'interprétation dans laquelle elle était, le fait de ne pas voir, que tout était perdu. Quoi. Il y avait oui. Quelque chose de cet ordre-là. Je pense que ça me fait penser un peu à. Tout à fait. Cette ouais. Femme-là. 2 heures plus tard, on l'a retrouvée pendue sous son lit. Oui, sous son lit, oui. Elle s'est pendue sous son lit. Il trouve tous les moyens de se pendre. Alors, heureusement, on s'en est aperçu. Elle a été sauvée. Elle a réanimé. Il y avait une espèce de passage à l'acte qui a suivi une heure ou deux cette espèce de constat de perte totale. Ah oui, complètement. Comme si le monde était désanimé. Il n'y a plus rien. Le monde est désanimé. C'est cette vraiment. Et il n'y a plus que des. Il n'y a plus de désir. En termes de l'identification du monde. Oui, c'est ça. Et il n'y a plus de désir, et donc seul le désir de finir, de mourir. Seule la pulsion de mort. Il ne reste que la pulsion de mort, c'est tout. Mais par rapport à votre question, je reviens à la question de la jeune femme, par rapport à l'hérédité, c'est pas idiot du tout, hein, parce que Freud avait un petit-fils qui s'appelait Ernst. Il s'appelait Ernst et c'était le fils justement de Sophie, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Donc Freud a conçu une peine immense hein, de la perte de Sophie. Et donc c'était son petit-fils et son petit-fils jouait à côté de Freud. Il était sur ses fesses, il jouait à lancer une bobine comme ça, une bobine avec un fil, et à la rattraper. Tout le monde connaît ça, hein, tout le monde connaît ça. C'est extrêmement connu cette expérience de Freud. Hein. Ça s'appelle le Forda. Hein. Tout le monde connaît ça.
Alors fort, ça veut dire au loin, et dark, ça veut dire ici. Et donc la bobine, il la lançait, hop, et il la faisait revenir avec le fil, la bobine. Hein. Donc il y avait fort ici, et dark. Et en fait, ce que disait Freud, c'est que lorsque l'enfant lançait la bobine et la rattrapait, il symbolisait l'apparition ou la disparition de sa mère. Hein, c'est ça, la symbolisation. C'est la perte ou la retrouvaille de sa maman. Et donc, si vous voulez, quand l'enfant est tout petit, quand l'enfant a moins de 6 mois, quand 6 mois et moins, voilà, exactement, pour être précis, en tant que pédopsychiatre, voilà, je vous parle de choses un peu carrées, 6 mois et moins, eh bien, si sa maman va dans une autre pièce, pour l'enfant, elle n'existe plus. Hein? Elle n'a plus d'existence. Il ne sait plus qu'il a une maman. Hein? Et alors, elle réapparaît, et là, il le sait. Alors, c'est quelque chose qui lui est assez insupportable à l'enfant. Générateur, génératrice d'angoisse, cette affaire-là. Et donc, c'est pour ça que l'enfant de Freud avait trouvé un subterfuge symbolique, si vous voulez, qui symbolisait le départ de la mère et la retrouvaille de la mère, ici, dans le fort d'A. Et il le faisait de manière incessante, comme ça, et par cette symbolique-là, l'enfant a pu introjecter, mettre à l'intérieur de lui-même, si vous voulez, une capacité à perdre sa mère et à la retrouver. Voilà, c'est ça, hein, ce que fait l'enfant vers à peu près 6 mois. Ce qui est d'ailleurs à peu près l'âge du début du stade de miroir, dont j'avais l'occasion de vous parler aujourd'hui, mais je n'aurai pas le temps, je vous en parlerai une autre fois. Mais vous voyez que Freud avait parlé. Alors, par rapport à votre question sur l'hérédité, eh bien, il y a quelque chose de la transmission un petit peu là quand même, puisque Freud était présent. Freud était présent en tant qu'autre, si vous voulez, en tant qu'autre, avec un A majuscule, par rapport à l'enfant, par rapport à Ernst. C'était Freud qui était là, en tant que grand-père, grand autre. Hein. Et si vous voulez, il validait, il disait, oui, c'est bon, tu as raison de jouer à ça, quand tu lances ta bobine et que tu la rattrapes, ça te permet de comprendre que ta maman, elle peut disparaître dans une autre pièce, mais être toujours là. Et tu peux la ramener, et tu n'as pas à avoir peur qu'elle disparaisse, qu'elle soit engloutie dans le néant. Voilà, l'histoire du Forza, c'est un petit peu ça. Hein. Freud avait des exemples comme ça qui étaient assez magnifiques, hein, assez superbes dans son observation quand même. Hein. C'est vrai que c'était quand même assez... Et donc, du coup, l'histoire, c'est pas vraiment de l'hérédité, mais c'est une transmission quand même, hein, puisqu'il fallait que Freud soit là, c'était mieux qu'il soit là, pour parler à l'enfant à ce moment-là et lui dire, bah oui, tu vois, ta maman, quand elle va dans la cuisine, eh bien, elle ne meurt pas. Elle n'est pas engloutie, elle ne disparaît pas. Hein, elle est toujours là et elle est toujours ta maman. C'est des choses qu'on dit souvent aux enfants. Hein. Moi, quand je vois des enfants petits, de cet âge-là ou un petit peu plus âgés, je leur dis ça. Hein. J'aide à la symbolisation, je participe à la symbolisation de l'absence et de la présence en disant ça à l'enfant. Je dis, tu sais, ta maman, alors je dis pas ça exactement comme ça, mais je dis, ta maman, quand elle n'est pas avec toi, quand tu es à l'école, par exemple, quand tu es pas à l'école, mais à la garderie, quand tu es à la garderie, par exemple, avec tes nounous, à la garderie, les assistants paternels, eh bien, ta maman, elle n'est pas avec toi, mais elle t'aime quand même. Donc, ça, quand je dis elle t'aime quand même, ça veut dire qu'elle existe, même quand il est à la garderie. Hein. Donc, ça, l'enfant est extrêmement rassuré. Il y a beaucoup d'enfants qui arrivent pour des symptômes d'angoisse qui sont en consultation. Hein. J'en vois énormément qui arrivent pour des symptômes d'angoisse très importants, quelquefois, et qui se résolvent en deux séances avec ce genre de truc. Il n'y a pas de médicament à donner, d'ailleurs on n'en donne pas à un enfant de 6 mois. Et il n'y a pas à faire des thérapies qui durent 25 ans, ça ne sert absolument à rien. Il suffit de faire du symbolisme, hein, parfois, qui ne soit pas quelque chose de simpliste, bien sûr, qui soit à bon escient, comme le faisait Mélanie Klein. Hein. Mélanie Klein ne se gênait pas, elle faisait des trucs comme ça, hard. Hein. Elle y allait franco dans les interprétations. Et ben, moi je suis un peu du Mélanie Klein à ma modeste échelle. Parfois, en disant aux enfants, bah oui, quand ta maman n'est pas là, elle t'aime quand même. Alors, les enfants, ça les intéresse énormément. On voit qu'un enfant qui est turbulent en consultation, etc., qui est un peu agressif, qui commence à grimper au rideau, eh bien, on voit que ah, quand on lui dit ça, il revient, il nous regarde. Ça, il est concerné là, hein. Vraiment, il est très fortement concerné par cette histoire-là.
Et notamment pour les enfants qui dorment avec leurs parents, par exemple. Il y a beaucoup d'enfants qui dorment avec leurs parents, ce qui est une très mauvaise chose. Bon, je ne dis pas aux parents, je ne les blâme pas, évidemment. Hein, je ne leur dis pas, c'est pas bien. C'est... Non, bien sûr que non, je ne porte pas de jugement. Mais je leur dis, il vaut mieux qu'ils ne dorment pas avec vous, parce que s'ils continuent à dormir avec vous, il va être plein d'angoisse dans la vie, il va avoir peur, il va penser que si vous le gardez avec vous, ça veut dire que le monde, l'autre avec un A majuscule, c'est dangereux, c'est menaçant. Hein. Et donc, il ne faut pas continuer ça, parce que plus vous allez garder dans votre petit, plus il va être angoissé. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Hein. Si les parents disent, ah ben non, on ne peut pas, il va se mettre à hurler, c'est pas possible. Ils disent, ah ben il va hurler, moi je leur réponds, il va hurler une semaine, et puis voilà, après, il ne hurlera plus. Ah non, 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 non. Eh ben je dis, ben attends, qu'est-ce que vous voulez, ben tant pis, il restera angoissé. Quoi, hein, voilà. Donc vous voyez, il y a quelque chose quand même de l'ordre de la transmission de la part des parents, qui est quand même nécessaire, mais par le langage. Pour répondre à la question qui m'a été posée sur l'hérédité. Donc ce n'est pas de l'hérédité au sens de l'ADN, justement. Hein. C'est de l'hérédité au lieu d'une transmission symbolique. Hein. C'est un peu différent quand même. Hein. Alors, où est-ce que j'en étais, moi? Oui, il disait, il reparle de Pavlov, il disait, quand on sait le lien, je cite Lacan textuellement, là, hein, quand on sait le lien du chien à son maître, on sait que l'autre, avec un majuscule, ça compte pour un chien. Mais serait-il une sangsue, la dimension de l'autre est toujours présente. La sangsue n'en sait rien de la dimension de l'autre. Il y a chez nous tout un champ dont nous ne savons rien. Il y a chez nous, hommes humains, tout un champ dont nous ne savons rien, comme la sangsue. Hein, pas plus, pas moins, de certaine façon. Et donc, il dit, le Selbstbewusstsein de Hegel est une supposition. Il ne rajoute pas erroné, mais il dit c'est une supposition. Pour lui, il ne tient pas la route. Voilà. Donc la sangsue n'a pas une conscience non plus transparente à elle-même, pas plus que nous, si vous voulez. Mais on pourrait dire, on pourrait inverser la phrase en disant, nous n'avons pas plus de conscience transparente à nous-mêmes que la sangsue. Ce qui est un peu humiliant, enfin, c'est comme ça, hein, pour le faire. Voilà. Alors il dit, par rapport à cette perte-là et à l'émergence de la conscience, et par rapport à votre question sur l'antériorité, justement, tout à l'heure, hein, Lacan dit qu'il y a un commencement de solution. Et c'est un peu une réponse là que je vous donnerai, pas aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps, mais qui sera un peu une réponse à votre questionnement. Hein. Il dit qu'il y a un commencement de réponse à ce questionnement sur l'antériorité, c'est le stade du miroir. C'est le stade du miroir. Donc je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que ça serait trop long et ça vous ferait trop de choses à rester dans le crâne. Le stade du miroir, alors qui n'est pas une invention strictement lacanienne, puisque c'est un psychologue qui l'avait inventé avant lui, seulement le psychologue ne l'avait pas développé du tout comme Lacan l'a développé. Donc si vous voulez, maintenant le stade du miroir, c'est considéré comme une affaire de Lacan, et non pas du psychologue, qui s'appelle comment déjà? Ah, j'ai oublié, c'est un psychologue belge. Je ne me souviens plus. Oh, peu importe, on trouvera son nom. Mais... J'ai acheté des films très intéressants, où son nom m'échappe. Oui, c'est un type connu, hein. Connu. Un psychologue belge qui a inventé ça du miroir où il dit que l'enfant finit par se reconnaître dans le miroir. Ce que dit aussi Lacan, mais Lacan, on dit va beaucoup plus loin que ça. Il décrit tous les retournements, toutes ces choses. Oui, c'est ça, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. La connaissance de la mère qui vient par derrière dans le miroir. Oui, c'est ça. Tout à fait. Vallon. Henri Vallon, merci. Merci. C'est bien lui, c'est Henri Vallon, avec un W. Ah, oui, voilà, Henri Vallon. Ben, c'est bien qu'on ait retrouvé son nom, pour lui rendre grâce quand même, parce que on dit toujours le stade du miroir de Jacques Lacan, mais bon, Jacques Lacan, il l'a perfectionné à l'extrême, mais c'est quand même Henri Vallon qui l'a mis en œuvre en premier. Il faut lui rendre cette. Ah, oui, parce que. Pardon ? Oui, parce que Lacan a pris des prises qu'il y a dans le miroir, mais celui qui a pensé au trou du miroir, c'était quand même Vallon. C'était, pardon, j'ai pas. Vallon, il a parlé du miroir, et puis Lacan, il décrit ce que l'enfant voit dans le miroir, mais le cycle du miroir, c'est quand même Vallon. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous, bien sûr, tout à fait, c'est ce que je dis. Hein. Oui, c'est ce que je dis. Sauf que Lacan, après, il va beaucoup plus loin dans la démonstration, quoi. Hein, voilà. Il en fait quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Hein. Dans l'assomption du sujet au monde, Lacan en fait quelque chose de beaucoup plus sophistiqué
que Wallon. Et notamment, puisqu'on parle de la perte là aujourd'hui, hein, du fait que nous n'ayons pas accès à un monde complet. Et bien justement, c'est ce que dit Lacan, dans le stade du miroir, l'enfant accède à la conscience, mais pas totalement. C'est bien ça son gros problème. Hein, vous voyez, donc ça, Wallon ne le dit pas. Mais ça, c'est une nuance. Hein. C'est une nuance très importante. C'est la nuance même très importante entre les deux abords. Pardon. L'autre personne dont je cherchais le nom, c'est René Zazo. Ah oui. Voilà, lui qui a fait ses films. Qui est venu après Wallon, mais qui a essayé d'objectiver dans une démarche scientifique en filmant. C'est vrai. C'est vrai. Plusieurs personnes ont travaillé sur ça. Écrit ZA. Plusieurs personnes ont travaillé là-dessus, hein. C'est vrai, et Henri Wallon, il faut lui rendre grâce d'avoir fait ça, hein, bien entendu, parce que sans l'expérience d'Henri Wallon, il est possible que Lacan n'ait pas parlé du tas du miroir, c'est pas impossible hein, de penser ça. Mais on verra, je vais développer parce que je veux pas s'aborder un peu tous les thèmes aujourd'hui en les faisant à toute vitesse. Le stade du miroir, on ne peut pas le faire à toute vitesse. Hein. Je fais une intervention sur le stade du miroir dans un autre lieu qu'ici, devant des gens... qui sont plutôt a priori éclairés sur la question, mais pas forcément, il ne faut pas explorer trop. C'est à la bibliothèque Casanova, ils m'ont demandé de faire une... c'est une association hein, qui regroupe des gens, des psychologues, des gens, certains gens qui réfléchissent sur des textes aussi, et qui font des conférences régulières, intéressantes d'ailleurs, hein, qui s'appelle Une bibliothèque Casanova, c'est ça. Une bibliothèque pour la psychanalyse Casanova, hein, ça s'appelle comme ça. Et donc, je fais une intervention au mois de juin, je ne sais plus quelle date exactement, je vous dirai, sur le stade du miroir, chez eux. Puisque, pardon ? Ce sera le 2 juin. Si, c'est le 2 juin. Ouais. Comment vous savez ? C'est moi qui vous ai contacté. Ah bon, d'accord. D'accord. Ok, bah, merci. Dès la date, c'est le 2 juin. C'est le 2 juin dans la soirée, je ne sais plus trop, à 20h. Ouais, c'est 20h30. Donc, voilà. Et donc, si vous êtes intéressé, c'est possible de s'inscrire, non ? C'est ouvert. C'est ouvert. Ouais. D'accord. Donc vous avez le temps, c'est le 2 juin. Hein. Ouais, c'est ça. Donc vous avez le temps. Donc j'en parlerai là de manière assez complexe, j'essaierai moi. Hein, parce que c'est quelque chose de complexe, le stade du miroir chez Lacan quand même. Mais on peut l'expliquer bien. On peut l'expliquer en faisant pas du lacanisme parisien, ou du parisianisme lacanien. Hein. Tout à fait éviter ça. On peut éviter l'écueil, hein, tout à fait. Donc, on va arrêter là parce qu'il faut qu'on vous distribue les livres. Et donc, comme il est 20, je dois céder absolument l'amphi, toujours jamais après 7h30. Hein. C'est une règle. J'ai cet amphithéâtre à titre gracieux qui m'est donné par le président de l'université lui-même, hein, quand même en personne. C'est difficile d'avoir un amphithéâtre ici, hein, parce que ça coûte quand même 5000 euros, hein, la culture de la seconde. Oui, 5000 euros. 5000 euros. Donc, moi, je l'ai à titre gracieux par la grâce du président, qui m'a à la bonne, apparemment. Donc, voilà. Oui, je vous le dis comme ça. Donc, on va vous distribuer les livres. Donc, vous en avez 3 chacun.